Tipeee les gens, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, on va apprendre à assigner un point médian à une touche de son clavier. Autrement dit, quand je vais appuyer sur une touche de mon clavier, sur mon Windows 10, au lieu que ça fasse la touche qui est censée être faite, ça sera un point médian. Le point médian sur Windows 10, c'est Alt-083. Et pour l'assigner à une touche, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle AutoHotkey. Donc du coup, qu'on va télécharger et installer. Ensuite, ce qui va être nécessaire d'être fait, c'est de créer un script. Donc du coup, on fait « Edit le script ». Vous allez copier le texte que je vous ai mis en barre de description. Ce texte, en fait, permet de remplacer la touche $ sur un clavier et de mettre à la place le point médian. Bien évidemment, le $, en fait, vous pouvez y appuyer sur n'importe quelle autre touche du clavier, mais je trouvais qu'elle était plutôt pratique parce que le $, moi, je l'utilise absolument jamais et je trouvais ça rigolo de genre, remplacer un symbole du capitalisme par un symbole de l'inclusivité et du féminisme. Une fois que c'est fait, on va enregistrer en .ahk ce script. Et ensuite, on va faire un clic droit sur ce .hk nouvellement créé et on va cliquer sur Compile script. On va ensuite aller dans le menu démarrer pour lancer la commande exécuter. Et dans la commande exécuter, on va utiliser la commande shell.startup qui va nous emmener dans un dossier où Windows va chercher en fait les logiciels qu'il va lancer au démarrage en exécutant un raccourci. Donc du coup, on a juste à placer notre raccourci à cet endroit-là. Et voilà. C'est tout bon. Voilà. Tipeee.